C'est parti. La diaspora congolaise repartit par milliers à travers le monde a un regard particulier sur la marche du pays. Elle ne cesse de faire entendre sa voix à travers les différents canaux de communication, les médias justement, ces instruments puissants qui permettent de construire l'image de marque du pays. Alors, dans Hors Zone aujourd'hui, nous accordons la parole à Robert Mambouli, en direct du Canada, analyste financier et membre d'une association canadienne. Bonsoir, Monsieur Mambouli. Bonjour. Au Canada, il est encore jour. Il fait encore jour. Bonjour, chez moi. Voilà, bonjour. Chez moi, il est encore 12h11, Voilà. 12h11 minutes, donc la journée. Oui. Et je dis bonsoir à tout le monde et bonne émission à tous. Voilà. Alors, à Rudy Malonga, en France, donc gestionnaire logistique et responsable d'association également au niveau de la diaspora congolaise de France. Bonsoir, Monsieur Malonga. Voilà. Avec vous, il sera question de votre regard, le regard que vous avez hein, sur l'évolution du pays, notamment les aspects de l'émission que nous allons aborder avec vous. Comment améliorer l'image du Congo à l'international, les initiatives sociales de la diaspora congolaise, ses impacts et ses perspectives. Alors, la première question que je vais poser à vous deux, à Monsieur Mambouli et à Monsieur Malonga, quel est d'abord votre regard sur la marche du pays? Vous qui regardez le pays, la marche du pays de loin, quel est votre regard? Alors moi je commence. Oui, vous pouvez aller. D'accord. Mais la question est, on va dire, simple. Au loin, de toutes les façons, quand on regarde le pays, on a le sentiment qu'il ne va pas bien, ne va pas très bien. Et au loin, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail qui doit être fait. On peut voir aussi beaucoup de difficultés, d'insuffisance de l'action publique. Ça fait. Oui, ben, je dirais presque la même chose. Bon, c'est un peu difficile parfois pour nous de faire une analyse un peu, je dirais, juste parce que le fait d'avoir vécu pendant longtemps à l'extérieur, nous avons tendance à analyser le pays sous le regard de notre réalité. Donc parfois l'analyse est portée par rapport à ce que nous vivons ici. Mais ce qui est vrai, c'est que partout, on peut regarder le pays, on peut observer autour de nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, Ça ne marche pas. c'est vrai qu'au niveau la diaspora, lorsqu'on parle de la diaspora, on voit plus la diaspora congolaise de France que vous qui êtes au niveau du Canada. Mais pourquoi cette réalité-là? Pourquoi vous n'êtes pas très actif? La question s'adresse particulièrement à vous. Pourquoi vous n'êtes pas très actif, la diaspora, notamment congolaise du Canada? Pourquoi on n'entend pas parler de vous comme des autres diasporas? Bon, ben, il faut d'abord voir les liens historiques que nous avons avec la France. Ça, c'est d'abord la première des choses. La diaspora, ou bien lorsqu'on partait, lorsque j'étais enfant, on parlait par exemple, de l'étranger ou de l'Europe, on voyait directement la France. Et le deuxième aspect est que la diaspora congolaise en France est la plus nombreuse. Oui. Est la plus nombreuse. Donc, ce qui veut dire, je l'ai toujours dit, que toute initiative d'organisation de la diaspora fera écho si c'est mené à partir de la France. Donc, moi, par exemple, dans la partie que je suis dans le Canada anglophone, très loin de Montréal, ça me prend au moins, par exemple, 5 heures de vol pour arriver à Montréal. On a même 2 heures de différence. Eux, ils sont, je crois, à 2 heures d'avance sur moi. Alors, ici, nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes au moins, on peut m'en parler, je crois, au moins une trentaine. Alors, ce qui fait que, avec le travail, avec les occupations ici, on n'a pas ce temps-là souvent
comment on appelle ça, de faire écho comme le feraient ceux qui sont en France, qui sont nombreux. Oui. Ceux qui sont en France... Donc, je crois que... Oui. Allez-y. Oui. Ils sont nombreux et ils sont plus directs avec le pays, en fait. Ils sont plus directs, voilà pourquoi. Alors, Monsieur Malonga, cette diaspora congolaise de France, très active, combative aussi, sur le plan politique, mais on la voit moins économique, on peut la qualifier d'une diaspora plus politique que moins économique. Alors, en fait, je pense que l'analyse est selon celle-là, mais à mon avis, elle est trompée. La diaspora est nombreuse, comme dit Étienne Mamboulir tout à l'heure, très nombreuse, et dans cette diaspora de Congolais de France, on entend beaucoup la diaspora politique. Et j'allais dire, on entend beaucoup la diaspora politique d'un certain angle, en fait, celle qui majoritairement s'oppose ou est engagée. Mais il y a une diaspora aussi très nombreuse qui ne fait pas beaucoup, qui travaille, qui pense donc de se déplacer vastement au pays pour des raisons diverses, essayer d'entreprendre, d'accompagner des idées. Donc, celle, on n'entend pas beaucoup, mais elle est la plus nombreuse. On a le sentiment, quand on est au pays, que la diaspora la plus nombreuse de France, c'est celle qui a des positions politiques dans les médias. Oui. Il est. Voilà. Et donc, avec l'amplification des réseaux sociaux, donc vous avez ceux qui sont engagés en politique, la politique étant tout le monde a le droit de faire, ils sont plus que ceux qui ne sont pas dans la politique, tous ceux qui la regardent de loin. C'est là où ils entendent, hein. Et pourtant c'est dans ce groupe-là où on a beaucoup de personnes, d'initiatives pour aller de la comme on l'a dit tout à l'heure, au point en passant qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a du travail à accomplir, il y a quelques. Voilà. Donc, si je vous ai bien compris, vous voulez définir qu'il y a deux tendances de la diaspora. Une diaspora qui est militante, politique, mais il y a une diaspora silencieuse, mais qui travaille pour le développement de l'économie, le développement économique de notre pays. Oui, évidemment. Il y a évidemment une diaspora militante et politique. Oui. Donc, elle est dans... un autre ministre. Et il y a une diaspora en France qui est aussi militante, qui n'est pas forcément politique, qui, elle, travaille par d'autres canaux. C'est très simple. Oui. C'est pas toujours pour accompagner les politiques. On peut être au gouvernement d'un village, d'une contrée, on peut se retrouver à plusieurs pour faire quelque chose dans ce coin, dans ce village. C'est ce type de diaspora que je qualifie non politique qui essaie de faire. Voilà. Avec vous, comment améliorer justement l'image du Congo à l'international? Parce que vous représentez le Congo à l'international. Je pose la question à Monsieur Mambouli. Comment vous faites? Quelles sont les actions concrètes que vous menez pour améliorer justement l'image de notre pays au niveau de la diaspora et les actions que vous menez, puisque vous êtes aussi dans une association? Oui, bon ben l'association en soi, c'est à peu près le reflet de notre société, c'est à peu près les... comment on appelle ça, les habitudes que nous amenons de chez nous, comme les moussiki et consorts. Nous nous sommes retrouvés ici, le pays est très loin. La seule famille que nous avons, c'est nos compatriotes que nous avons ici. Donc on est obligé de se mettre en association, de travailler un peu en tandem, venir en aide et voir parfois, il y a certains qui posent certains actes de façon caritative au pays. Alors, lorsqu'on veut parler de vendre l'image du pays ou l'amélioration de l'image du pays, alors là, il y a un problème. Oui. Il faut comprendre déjà que la diaspora est multiple, comme venait de le dire M. Malonga tout à l'heure.
Alors, il y a, d'abord pour vendre quelque chose, ou bien pour faire la promotion de la chose. Parce que quand on dit vendre, c'est un peu pour faire la promotion de la chose, quel que soit votre produit, ben, il faut qu'il y ait des qualités du produit que vous devez vendre, que vous devez mettre en exergue pour faire la publicité. Même Thorsten Norvoglen lui-même, quand il le dit, donc, il y a le produit, ben, il faut qu'il y ait les qualités du produit que vous devez aller vendre. Donc, ceci dit, pour mieux vendre le Congo, il nous faut travailler en tandem avec le Congo, avec les gens qui sont au Congo. Par exemple, moi, ça faisait une trentaine d'années que je n'ai pas mis pied au pays. Je viens de faire, au début de cette année, 3 semaines. Donc, je serai en train de vendre un produit que je ne connais presque pas. Donc, nous, pour vendre, il faut qu'il y ait quelque chose à vendre. Je vais prendre un exemple simple. Quand il y a eu la Coupe du Monde en Afrique du Sud, j'ai un grand frère, paix à son âme, le vieux Naï Moulamba, qui était un international de la RDC, qui faisait partie de l'organisation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est pas un Sud-Africain, mais compte tenu de son histoire dans le football, les Sud-Africains l'ont associé pour pouvoir donner l'impulsion à la Coupe du Monde en Afrique. Et il nous disait que le gouvernement, donc Paulo Jordan, qui était à l'époque le coordonnateur de ce projet, lui disait que l'image de l'Afrique du Sud est présentée à l'extérieur comme un pays où il y a la violence. Quand nous organisons la Coupe du Monde, les gens qui vont venir à la Coupe du Monde, lorsqu'ils vont voir ce que nous avons ici comme infrastructure, et ils vont se rendre compte que l'Afrique du Sud n'est pas seulement le côté violence qu'on leur présente, mais il y a aussi l'Afrique du Sud positive que les gens peuvent revenir visiter. Donc nous, à l'extérieur, nous devons travailler en tandem avec le pays qu'on nous présente, qu'on nous donne à peu près les éléments pour vendre. J'ai un frère. Pour autant, je vais vous laisser poursuivre. Juste pour vous relancer, est-ce que vous voulez dire que vous êtes déconnecté des vraies réalités du pays et du coup, ça pénalise vos actions au niveau du Canada? Bon, pas peut-être déconnecté, mais j'ai par exemple un frère. Oui. Guillaume Kouka, qui vend la destination Congo. Ben, le gars est allé même jusqu'au Congo pour essayer de faire la promotion du tourisme. Mais ce qu'il connaît comme difficulté, lui-même il connaît. Il y a un autre frère, Sorel État, avec l'Université de la Forêt, qui essaie de faire de sa manière de faire la promotion des peuples autochtones au Congo. Mais il n'y a pas assez d'efforts, pas assez d'accompagnement sur le terrain à Brazzaville. Il y a un blocage sur place. Lorsque la diaspora arrive, il y a un blocage sur place. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'appui. Oui, pas peut-être un blocage. Oui. Quelle que soit votre expertise, le champ d'application de l'expertise compte. Donc, si vous décidez aujourd'hui d'aller, vous pouvez être le plus grand agronome sur Terre. Si vous allez planter au désert, mais votre expertise sera nulle parce que le désert n'est pas approprié pour la plantation. Donc, il faudrait qu'au pays, qu'il y ait d'abord une plateforme nécessaire pour recevoir qui les facilite de la diaspora. Justement, qui facilite le retour de la diaspora. Exactement. De la diaspora. Exactement. Est-ce que je vais relancer? Alors, je vais demander à monsieur Mambouli, lorsque vous terminez pour le bon déroulement de ce plateau, lorsque vous terminez votre prise de parole, justement de muter votre micro pour permettre, lorsque je relance monsieur Malonga pour une bonne audition. Voilà. Alors, monsieur Malonga, est-ce que c'est le sentiment que vous avez, vous, de la diaspora? Mais alors, avant de vous poser cette question, j'aimerais d'abord que vous me situiez. Vous faites partie de quelle diaspora? C'est une diaspora politique, militante ou encore une diaspora économique? Dans quelle catégorie on peut vous situer, vous? Alors, moi, personnellement, je suis, à la différence de ce qu'a dit Célestin tout à l'heure, oui. Je suis souvent venu au Congo, donc, allez, on va dire quasiment tous les ans, depuis 10 ans,
Je viens au Congo-Brazzaville, je passe même des séjours longs au Congo-Brazzaville. Il m'est arrivé aussi de travailler pendant plus de 3, 4, 5 mois au Congo. Donc, je suis un peu comme un Congolais qui vit au Congo. Donc, j'ai cette réalité. Donc, ça, c'est le premier problème. La deuxième chose, je pense que ce n'est pas très utile de classifier des gens en diaspora politique, militante ou économique. Je pense que ce n'est pas très important. Le plus important pour les frères et les sœurs congolais, c'est de les inviter, comme ils le montrent pour la plupart, à faire preuve de patriotisme. Et moi, je considère que les Congolais, dans l'ensemble, dans leur grande majorité, sont des patriotes. Même ceux qui sont dans l'engagement politique, qui critiquent, qui montrent tout ce qui ne va pas, ils sont toujours des patriotes. Donc moi, je pense que ce n'est pas très important d'avoir. Mais moi, personnellement, je ne suis pas encarté politiquement, mais je pense qu'il est bien que les Congolais, tels que nous sommes, nous soyons à même d'aider, parce que ce ne sont pas d'autres personnes qui viendront. Alors moi, par rapport à la question, hein, j'anticipe. Oui. Vous savez, l'image d'un pays, c'est quelque chose de... Allez, c'est paradoxal. Hein. Le bel exemple a été donné à l'Afrique du Sud. Elle a une très bonne image économique de l'étranger, mais pour d'autres, l'Afrique du Sud est un pays extrêmement dangereux, avec beaucoup d'inégalités. Donc, chaque fois que quelqu'un va avoir à regarder un pays de loin, il va forcément avoir deux images. Les États-Unis, c'est pareil. Tout le monde adore aller aux États-Unis, mais tout le monde vous dit aussi que les États-Unis, c'est le pays sans doute le plus dur, on s'en sort difficilement, les gens dorment dans des voitures, c'est très dangereux. Donc, on aura toujours des personnes qui vont avoir une image contrastée du Congo, qu'ils soient congolais ou pas. Donc, je pense que ça, c'est pas, à mon avis, très compliqué, mais parce que là, on a donné des bons exemples. Hein. Les États-Unis, tout le monde adore, mais quand vous regardez de très près, il y a d'autres qui vous disent faut pas y aller, c'est ceci, c'est pas bon, c'est pas bon. Ce qu'il y est, j'allais dire, c'est que en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, il y a forcément des atouts que le pays a par chance ou par intelligence qu'on ne met pas, à mon avis, suffisamment en avant. Je donne un exemple très simple. Moi, je parle souvent sur mon Facebook de culture et de livres. Le nombre de livres d'auteurs primés du Congo-Brazzaville pour le petit pays est très important. Mais et pourtant, on ne le perçoit pas toujours au loin. Donc voilà un axe sur lequel on pourrait travailler. Là, tout à l'heure, M. Mambouli parlait de Guillaume Kouka qui avait créé ou qui a créé la plateforme Visiter le Congo. Évidemment, comme les autres pays du monde, même d'Afrique, le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, qui sont encensés sur le plan touristique, mais ils ont aussi des faiblesses, des difficultés. Et si vous prenez un Kenyan, vous lui dites tout le bien que vous pensez du Kenya, il va sans doute vous dire « Ah non, mais mon frère, vous ne savez pas la réalité. » Donc c'est ça en fait le problème. La perception est toujours contrastée, parce que dans nos pays qui sont à construire depuis les années de l'indépendance, beaucoup de choses restent à faire, sont à faire. La perception, justement, cette image qui va permettre ou encore motiver les investisseurs à venir investir dans votre pays. Lorsqu'on parle du Congo, lorsque la diaspora, notamment celle de France, parle du Congo, c'est corruption, c'est mauvaise gestion, c'est mauvaise gouvernance, c'est dictature. Est-ce que ça ne peut pas être repoussant pour les autres investisseurs qui pourront peut-être venir au Congo pour contribuer au développement économique de notre pays? Vous savez, pardon, oui. Les investisseurs, ce sont des personnes qui recherchent à gagner de l'argent. Oui. Et ce sont des personnes qui font tout ce qu'ils peuvent faire de légal pour en gagner plus. Et donc, ce qu'ils regardent les investisseurs pour aller dans un pays, principalement, c'est de savoir si... il y a une attractivité des affaires, si la justice est une justice équitable dans le domaine commercial, si par exemple les infrastructures, l'électricité, les transports peuvent permettre un développement. Donc je crois que c'est ça qu'ils regardent, hein, ceux qui investissent. Ils regardent des instruments comme la COFAR pour savoir si lorsqu'on investit, on est très sûr d'être payé, ainsi de suite. Donc moi je crois que la perception de l'image négative, par exemple, du Congo,
elle est perçue par les Congolais. Au sein de la diaspora. Peut peut-être me contredire. Oui. Quand vous avez d'autres frères africains, même ici en France, quelqu'un, quand vous leur parlez du Congo ou de leur pays, eux, ils vous disent, ah non, mais chez vous, c'est top, hein, nous, vraiment, c'est très simple. Quand vous parlez des frères de RDC et des frères du Congo-Brazzaville, tous les frères de RDC, majoritairement, nous expliquent que le Congo, on peut y vivre. Donc, la perception négative est souvent liée aux nationaux, parce que les nationaux sont un peu attendent beaucoup de choses, et parfois, ils font, par exemple, avec ce qu'ils vivent en Europe. Voilà, ça, c'est voilà. Robert Ambouli. Sur ce point, il y a quelque chose. Je ne pense pas que... c'est pas seulement le Congo, hein, beaucoup de pays n'étaient pas préparés à la révolution numérique, en fait. Parce que c'est un pouvoir qu'a une personne de se projeter ou de diffuser de son téléphone, de se faire entendre par des multiples personnes dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être responsable lorsque vous avez un tel pouvoir. Vous, par exemple, dans les médias, il y a par exemple l'équipe de la rédaction qui censure ou alors fait passer ce qui doit passer. Mais par contre, la liberté de la presse pose problème. La liberté de la presse pose problème. La liberté de la presse pose problème. Non, pas la liberté de la presse. Oui. Oui, bon, le problème est que n'est pas journaliste tous ceux qui ont le micro et la caméra. Il y a des règles qu'il faut suivre. D'accord. Quand vous regardez la télé, parfois il y a certaines images qui sont brouillées parce qu'on pense qu'il y a des personnes qui sont sensibles qui parfois ne peuvent pas supporter ce genre d'images. Mais moi, par exemple, je suis ici, il y a un accident quelque part, les gens prennent des photos des corps déchiquetés, ils m'envoient ça dans mon téléphone. Je ne suis ni docteur, je n'ai rien à faire de ces images, pourquoi on me les envoie? Vous comprenez? Et surtout qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, il suffit seulement, parfois, d'insulter des gens, avoir beaucoup de vues pour se faire payer. Donc les gens vont ramasser tout et n'importe quoi. Alors, je disais tout à l'heure, pour faire la promotion de la chose, il faut d'abord connaître la chose et il faut l'aimer. Aujourd'hui, si vous aimez votre mari ou votre femme, s'il y a quelque chose qu'elle fait ou qu'il fait de mauvais, vous n'allez pas, si vous l'aimez, vous n'allez pas prendre ça et l'exposer sur les médias sociaux. Tout simplement parce que vous l'aimez. Et voilà, c'est là où je viens au patriotisme que venait de mentionner M. Malonga. Je vous dis, les CNN que vous regardez, il y a deux CNN. Il y a CNN International et CNN America. Même la RT America, ils ont voulu arrêter ça. Ils ont voulu arrêter ça parce qu'ils pensent qu'il y a des informations qu'on ne peut pas véhiculer aux Américains moyens, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger l'espace. La Chine, par exemple, a son Google, par exemple, Google Channel. La plupart des médias que nous utilisons en Chine, ils ont leur propre version où ils peuvent censurer un certain nombre d'informations. La Corée du Nord, n'en parlons pas, on sait que c'est une dictature. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a un procès aux États-Unis où les Américains veulent arrêter TikTok. Parce que TikTok, la mère de TikTok est chinoise. Donc ils disent que non, soit ça doit être vendu aux Américains pour qu'ils contrôlent le contenu, ou soit on va bannir TikTok directement des États-Unis. Donc, il y a un contrôle qui se fait pour l'image. Parce que ce que je pense aujourd'hui, je peux être énervé, et il y a un problème. Souvent, on confond le pays et les dirigeants. Les individus qui dirigent. Les individus. Oui. Exactement.
Et souvent, la fois dernière, il y a Trump qui avait dit à traiter l'Haïti ou les d'autres pays africains de Rochette Country. Nous tous, on était énervés. Parce qu'on ne peut pas dire que le pays où je viens, c'est un pays de merde. Alors, je disais qu'il y a aussi question de patriotisme, comme disait M. Mandonga, parce que, écoutez, la diaspora, comme je venais de dire, est plurielle. Et nous n'avons pas la même conception du pays. Moi, personnellement, le Congo m'a donné une éducation gratuite. Du CP1 jusqu'à l'université. Oui. Je suis à l'étranger, je paye les études de mes enfants, je vous dis, maman, ça coûte les yeux de la tête. Et pour ça, au moins, on peut reconnaître ce que ce pays-là a fait de nous. Et moi, souvent, le problème que j'ai, quand il y a certaines personnes qui parlent du pays de merde et tout, on peut tous critiquer ce qui se passe sur place, mais on n'a pas à parler d'un pays de cette façon. Oui. Je ne sais pas si elle est toujours en ligne. Oui, oui, je vous écoute. Je vous écoute. Oui, je vous écoute. Oui. Justement, la critique, évidemment, c'est essentiel. Ce que vous voulez dire, c'est essentiel pour faire changer et faire avancer les choses. Mais il faut présenter cette image positive aussi du Congo parce qu'il y a des aspects quand même positifs qu'il faut vendre de notre pays. Exactement. Exactement. Donc, je pense que c'est notre rôle. Notre rôle, je me suis retrouvé un jour à une conférence avec un ami, on était les seuls noirs dans la conférence, lui il est de la RDC, il se présente comme belge. Alors j'étais le seul à jouer le rôle d'ambassadeur, et c'est en ce moment-là que je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'avais pas droit à l'erreur ce jour-là, parce que non pas seulement que nous sommes vus en tant qu'Africains déjà comme regardés un peu du bas, et quand je viens et que je fais seul comme Africain, à part celui qui était devenu belge, si je commets, ça va confirmer à peu près ce qu'on pense de nous. Donc nous, à l'étranger, je crois qu'on a besoin, on a aussi ce rôle d'ambassadeur. Pas peut-être de vendre l'image du pays, mais pour essayer de faire aussi preuve de bonne conduite pour qu'on ne nous jette pas toujours cette opprobre-là d'être un peu... Il y a des stigmas hein, partout, que ça soit, bon, les Ivoiriens sont toujours comme ça, les Congolais sont toujours comme ça. Mais l'image du pays, encore je le dis, pour mieux vendre l'image du pays, il faut qu'on travaille en tandem avec ceux qui sont sur place. Je ne peux pas vendre l'image d'un pays si je n'ai pas la qualité du produit à vendre. Je ne peux pas dire à quelqu'un que non, va au tourisme au Congo, c'est bon, il arrive là-bas, il peut pas aller là où il veut aller, il y a pas un certain nombre de choses. Donc, il faut que le pays, ceux qui sont sur place, nous donnent les éléments qu'on doit travailler en tandem pour pouvoir... C'est pas un travail d'un individu, en fait. Non, ça ne peut pas se faire individuellement. C'est un travail de tandem. On doit travailler ensemble. Oui, non seulement que vos frères qui sont ici vous prêtent main forte lorsque vous venez, mais aussi la part de responsabilité du gouvernement de créer les conditions pour que vous reveniez, pour investir et pour que vous soyez accepté. Exactement. Exactement. Vous savez ? Oui. Oui, non, par rapport à cette question, je pense que vous... Mais de l'étranger, parce qu'ils sont nombreux, qui n'arrivent plus vraiment à vouloir rentrer au pays pour y vivre. Je pense qu'il y a un nombre de compatriotes, compte tenu de la durée du séjour à l'étranger, qui se sont naturalisés, qui ne travaillent pas pour aller vivre au pays et faire des choses. Par contre, ils sont pas nombreux à vouloir que le pays qui leur a appris à lire, à écrire, qui les a formés, se porte mieux. Moi, je trouve que c'est peut-être ça. Moi, je ne milite pas que tout le monde crie pour non, le gouvernement doit créer des conditions pour que nous rentrions, qu'on ait des espaces, des maisons, du travail. Par contre,
le gouvernement accompagner tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour que les choses s'améliorent là-bas. Donnez un exemple, pardon, madame. Oui. Vous remarquerez en France, nous sommes la diaspora congolaise de l'étranger la plus nombreuse. Donc nous sommes à avoir fait des enfants en France. Donc nous entrons en France. Il y a un problème depuis quelques années, c'est que les jeunes franco-africains, par rapport au contexte social en France, où on commence à pousser maintenant les étrangers, vous avez tous nos enfants franco-africains qui, de plus en plus, se réclament de l'Afrique. Vous le voyez surtout dans les compétitions sportives. Vous avez des enfants qui portent les maillots du Congo, de RDC, qui vont avec à l'école. Vous en avez même qui, quand vous leur demandez, tu es fier d'être Congolais, est-ce que tu as déjà été au Congo? Ils te disent, non, j'ai 20 ans, j'ai jamais été là-bas. Et tout ce que j'entends pour d'autres, on ne va pas, et ainsi de suite. Mais, voilà, à l'école, travaille dans la rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un besoin de mettre un autre nous en compte pour être utile à ce qui peut être utile. C'est pour ça que moi je disais, il faudrait, comme vous l'avez dit, Céleste, que des synergies soient mises en place au niveau des diasporas. Et sans doute aussi localement là-bas. Pas forcément le gouvernement, ça peut être la société civile. La société civile. Oui. 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 Vous parlez justement de la société civile, mais ça peut créer aussi ce sentiment de réticence. La culture, c'est vrai qu'on parle de politique, on parle d'économie, il y a aussi une part de votre vie, c'est-à-dire la culture congolaise que vous devez transmettre aussi, l'amour de la patrie que vous devez transmettre à vos enfants. Est-ce que c'est le travail qui est fait? Parce qu'on voit d'autres diasporas, les enfants revenir jouer dans les équipes nationales. Hein? Je m'adresse à Robert Mambouli. Oui, oui. Oui. Bon, la transmission de la culture. Oui. J'ai une fille qui est, bon, chez nous, on dira métisse. OK? Bah, ici, ils disent mixte. OK? Alors, il y a des moments où elle est chez sa maman, bon, il y a une culture là-bas, parce qu'avec la maman, on n'est pas ensemble. Elle revient, elle arrive chez moi, à peu près avec les attitudes de l'autre côté. J'ai dit, bon, écoute, tu as deux cultures, tu dois les assumer toutes. Ici, chez moi, dans ma maison, ça ne se passe pas comme ça. Regarde ça, 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 et là. Donc, j'essaie de... En fait, pour elle, c'est une aubaine, en fait, d'avoir... cette espèce de mosaïque de culture où elle peut se revendiquer des deux cultures. Et effectivement, avec le temps, elle a embrassé les deux cultures. Elle m'a toujours harcelé ici qu'elle veut aller au Congo et essayer de voir d'où je viens, s'imprégner un peu de la réalité de la culture congolaise. Il y a une chose que M. Malonga vient de dire tout à l'heure. Les Congolais, maman, ça me fait presque 3 décennies à l'étranger. La plupart, je dirais même 90% des Congolais que je connais à l'étranger, on a toujours pensé se faire un peu d'argent ici et repartir chez nous. Contrairement à d'autres pays, à d'autres étrangers qui, par exemple, veulent s'installer et tout, la majorité des Congolais que j'ai connus avaient au départ toujours l'ambition de venir à l'extérieur, faire ce qu'ils ont à faire, et repartir au pays. Maintenant, arrive un moment où, tel que j'ai dit, on s'imprègne de la culture d'ici, de certaines conditions, et les conditions au pays ne semblent pas répondre à ce qu'on veut. Vous savez, il y a des investissements qui ne peuvent être effectués par l'État. Par exemple, la construction de routes. Oui. Ça, nous ne pouvons pas le faire. La mise en place d'une plateforme économique viable. Par exemple, l'Internet à une vitesse normale. Par exemple, la stabilité de l'électricité. Je peux acheter une machine à écraser les foufous, utiliser peut-être deux petites sœurs ou deux petits frères ou quelqu'un dans le quartier, ça fait un emploi. Mais si je n'ai pas l'électricité de façon stable, ben, ça pose un problème.
J'ai un ami, un frère, qui est en Allemagne, qui décide un jour d'aller ouvrir une chambre froide à Brazzaville. Et il a pris les précautions, il a acheté un groupe électrogène. Il arrive un moment où non pas seulement qu'il n'y avait pas d'électricité, mais il n'y avait pas le carburant. À Brazzaville? Alors, ouais. À Brazzaville, oui. C'était un problème, parce que ce qu'il avait fait, c'est quoi? Non pas seulement qu'il utilisait ça, mais il y avait des gens qui venaient, comme les mamans qui vendent au marché, qui venaient garder leurs produits chez lui chaque soir, et le matin, ils reprenaient leurs produits. Ben, il s'est retrouvé dans une situation où les produits d'autrui se sont abîmés. Alors, c'est ça. Nous, on ne demande pas qu'on nous donne de l'argent ou quelque chose comme ça. Non. Tout ce qu'on veut, c'est une plateforme comme ça qui va permettre, même quand on parle des investissements étrangers, mais il faut être peut-être Total ou qui a un capital, être sécurisé, comme on dit en anglais. Parce que même aux États-Unis, l'économie dépend des petites et moyennes formes que nous avons. Il est difficile des petites et moyennes entreprises de s'implanter au Congo. On ne vient pas avec des grands investissements, on ne gagne pas des milliards ici. On ne gagne pas des milliards ici, c'est pas tout le monde qui va faire des taxis. Si on achète les taxis, la plupart des étrangers, c'est beaucoup plus des gens de la diaspora, c'est beaucoup plus les taxis qu'ils mettent là-bas avec les auberges et tout. Mais les taxis, le véhicule, moi je suis dans l'automobilier, je travaille pour Ford, le fabricant d'automobiles, le véhicule a une durée normale d'utilisation. Et sa durée là, cette durée-là est conditionnée par l'état de route et de l'usage du véhicule. J'ai été dernièrement à Pointe-Noire, j'étais choqué, ça m'a fait très mal de voir l'état de Pointe-Noire. Alors, donc c'est pour dire que si on ne fertilise pas la plateforme pour les investissements, pour les PME, on peut beaucoup crier, ça ne va pas marcher. D'accord. Ici, il fait excessivement froid. La température va jusqu'à moins 40. Mais moi, si j'avais cette facilité d'être au Congo, ben, chaque hiver, j'allais pouvoir m'asseoir chez moi, tranquillement. Et puis, dès que l'hiver passe, je reviens. D'accord. Donc, c'est à peu près pour dire que ce n'est pas la volonté qui manque aux Congolais comme nous autres pour revenir au pays. Non, la plupart des Congolais, comme je viens de le dire, aspirent à repartir chez eux et vivre tranquillement. Quel que soit, je termine par là, quel que soit le niveau d'intégration à l'étranger, ça me fait presque 3 décennies, j'ai dit à l'extérieur, j'ai fait multiple pays, il y a toujours ce petit quelque chose qui te rappelle que tu n'es pas chez toi. Toujours. Oui. Donc, on aspire à repartir chez nous. Oui, Rudy Maloga, on est pratiquement à la fin. La question culturelle, et puis de terminer sur une question purement économique. Voilà, la culture congolaise, la transmission des valeurs et de la culture congolaise à la nouvelle génération, vous en tant que responsable de famille, est-ce que ce travail est fait? Est-ce que les enfants sont connectés à la réalité culturelle du Congo? Oui. Bon, par rapport à tout l'important, vous savez, lorsqu'on a une culture, c'est de transmettre aux générations qui viennent après le fond qu'on vient de quelque part. Et au rang de culture, le fond. Je pense que la plupart des Congolais de l'étranger, en tout cas ceux de France, font partie du message à leurs enfants et aux plus jeunes de ce qu'ils viennent de quelque part. Et comme nous sommes très loin du Congo, par rapport au Canada, de plus en plus beaucoup d'éléments de culture congolaise qui s'imposent, rien que pour l'alimentation, par exemple.
Les gens mangent en étant en France. Les spectacles culturels congolais, on en a beaucoup. Donc ça, c'est des choses qui se font. Moi, je voudrais que sur la fin de l'émission, qu'on passe des messages. Plus ou moins, le premier message, Célestin l'a dit, le Congo, c'est que ce n'est pas le Congolais de l'étranger à une diaspora. C'est les investissements les plus importants. Ce n'est pas possible, puisqu'ils n'en ont pas et ni en France. Par contre, les Congolais de l'étranger peuvent être des canaux d'accompagnement. Il y a quelque chose qu'on a fait dans l'émission, il y a ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Vous avez surtout en France beaucoup de collectivités locales qui signent des conventions de développement avec des départements au Congo. Généralement, c'est parce qu'il y a des Congolais qui sont dans ces départements-là ici pour monter des actions et ils montent des projets. Moi, j'ai vécu de près la coopération décentralisée entre les Yvelines, département, et Orlando, dans la cuvette. Ça constitue la convention entre 2010 et 2014 d'accompagner Orlando dans l'entretien de la ville. Il y avait même un projet qu'on appelait Mboko. Le problème, c'est que ce type de choses tendent à s'améliorer parce que ceux qui sont censés faire le relais au pays ne sont pas. C'est pas une quête qu'il faudrait faire passer. Ça, c'est le premier. Bon, le second, Célestin, tu peux te tourner au pays, même maintenant pour 3 mois, vivre comme les Congolais, comme notre sœur qui est là, les coupures d'électricité, les problèmes d'eau. Parce que malheureusement, l'investissement qu'il y a à rattraper, ce domaine-là, c'est colossal. Je suis même convaincu que même quand vous êtes dans une situation pareille, après on banalise. Par contre, il faut le faire. C'est que nous devons pousser par plusieurs mécanismes à ce que le pays soit performant. Il faut que le pays soit performant à beaucoup, sur beaucoup de points, sur l'éducation, sur la santé et sur l'investissement. Voilà l'un des messages qu'on peut passer. Et de ce point de vue, moi je n'ai pas honte de dire que ceux qui sont chargés des questions de communauté au niveau public, au niveau du ministère, ne donnent pas une grande efficacité pour que les choses se passent, les Congolais, les Français. Voilà. Voilà. Alors, Rudy Maloga, nous sommes à la fin de la toute dernière question pour tous les deux. Incontestablement, la diaspora, c'est une force de proposition. Pour se développer, le Congo a besoin de s'appuyer aussi sur l'apport de sa diaspora. Mais cette diaspora-là, contrairement aux autres diasporas, notamment la diaspora sénégalaise et à la diaspora burkinabé, qui prend une part très active au développement économique de leur pays. Mais qu'est-ce qui empêche la diaspora congolaise? C'est vrai que vous venez à travers des petits projets, mais l'impact réel de la diaspora congolaise, des diasporas que vous êtes, dans le développement socio-économique du Congo. La toute dernière question, deux minutes pour clôturer l'émission. D'accord, je peux aller? Oui. D'abord, dans les deux pays que vous avez cités, et même au Mali, il y a une plateforme politique. Chez nous, il y en a. Le ministère, je ne sais pas, des Congolais d'étrangers ou quelque chose comme ça. Je suis au Canada, je m'allongerai en France, je ne sais pas s'il y a des ateliers ou des conférences qui sont organisées au niveau de la France avec ce ministère. Ça, c'est le premier point. J'ai dit tout à l'heure que s'il y a des initiatives comme ça, il faudrait que ça soit des tandems entre la diaspora et le pays. Il y a un aspect très important. Par exemple, la banque alsacienne. Je ne suis pas obligé de prendre les découverts ou les crédits en France pour faire bénéficier la banque française des intérêts sur le crédit pour aller investir au Congo. Mais il faut qu'il y ait des relais bancaires. Les autres en ont. Si les banques congolaises travaillent en thème avec certaines banques françaises, quelqu'un qui travaille en France, le travail vérifié, tout vérifié, doit être en mesure de prendre un crédit au Congo et le payer à la banque congolaise. La banque congolaise va faire de l'argent en intérêt sur le crédit
Et moi, Congolais, ça me permet aussi d'investir chez mon pays. Et c'est un relais très important. Les autres en ont. Les autres en ont. C'est très difficile de travailler, de garder de l'argent chaque mois et après, non. Parce que la plupart des temps, c'est un oncle qui est là-bas, qui est malade, il se suicide. Même la plupart des grands business, des grands hommes d'affaires, si vous regardez leur passif, ils ont souvent des dettes énormes des banques. C'est comme ça qu'on ne fonctionne. Aussi longtemps qu'il n'y a pas cette facilité-là, ça ne nous permettrait pas, ça ne nous permettra pas d'enfoncer, surtout sur ce domaine, de façon efficiente. Merci, merci. Rudy Malonga. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Il y a énormément de choses, mais c'est simple. C'est un cliché qui consiste à croire que non, j'espère qu'on ne sait pas des choses. C'est que les banques sont S'il vous nombreuses. plaît, s'il vous plaît, Robert Mombouli, est-ce que vous pouvez muter votre micro pour permettre à ce que nous écoutions ce que... Voilà, merci. Oui, d'accord. Donc, c'est en train de dire que on pourrait apporter beaucoup de choses, les diasporas, nombreuses, pour que les choses se fassent au pays. Moi, je viens sur un volet financier. Regardez. Les diasporas, les Congolais de l'étranger, envoient beaucoup d'argent au pays. Nous n'avons pas les chiffres, mais si on part avec ce que publie la Banque mondiale et ce que font, on peut estimer que peut-être les Congolais, d'où qu'ils soient, peuvent apporter au Congo tous les ans facilement 5 à 10 milliards de francs CFA. Mais c'est de l'argent qui est essaimé parce que ça va pour payer les médicaments, pour régler les problèmes de vie quotidienne. On pourrait, mais ça c'est l'affaire de l'État, du gouvernement, de dire, bon, écoutez, est-ce que vous ne pourrez pas, par exemple, si vous envoyez de l'argent pour monter une PME, si vous envoyez de l'argent pour faire quelque chose, un équipement public pour votre village, il y aura peut-être moins de frais. Donc on pourrait créer des mécanismes comme ça pour que l'argent qui est envoyé soit fléché sur d'autres choses. Mais ça, c'est une affaire publique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que nous avons plus ou moins dit, tous les deux, c'est que il faudrait que sur place, une société civile, les associations soient aussi réceptifs aux idées de développement. Nous sommes un pays un peu trop politisé. Les associations, la société civile sur place a tendance à fonctionner comme des partis politiques pour accompagner le pouvoir ou pour le critiquer. Et c'est difficile dans ces conditions d'avancer aussi, quand on a des projets de développement. Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Rudy Malonga en direct de la France et Robert Mambouli depuis le Canada. C'était Hors Zone, l'émission qui accorde la parole aux diasporas congolaises. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bon. Et bonne journée au Canada.